Accepteriez-vous de débattre avec Jean Robin? Oui, pourquoi? Oui, sur quel sujet? Bonne question. Non, Les gens aiment tellement les débats qu'ils demandent des débats sans avoir de sujet de débat. Écoutez, s'il y a un sujet à me proposer, moi je viens. Franchement, je n'ai aucun. Je crois que Jean Robin est un personnage assez particulier, plutôt sympathique, atypique. Très atypique. Je pense pas que je ne le prends pas très au sérieux, mais bon, il a le sens de la communication. Donc si Jean Robin qui m'écoute, peut-être. Monsieur Jean Robin, écoutez, si vous voulez débattre avec moi, pourquoi pas. Voilà, c'est ce qu'a fait Henri de Lesquin, selon moi. C'est-à-dire il n'a pas offert son corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Sinon, à 70 ans, voilà, c'est l'avantage des gens quand ils ont un certain âge, c'est que leur vie est derrière eux maintenant. Vous n'allez pas me dire qu'Henri de Lesquin va faire la révolution à 75 ans. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il veut se représenter, paraît-il, à 73 ans en 2022. Bon. Non, ça c'est Maréchal Pétain sur le retour. La vieillesse est un naufrage, mon ami, donc ne te représente surtout pas. Maintenant, il faut laisser la place aux jeunes. Il faut les aider avec tout ton argent dont tu ne sais que faire, j'imagine. Je suis désolé, il a l'âge qu'il a, 70 ans, c'est la génération 68, Henri de Lesquin. Et il a beau dénoncer mai 68 comme la prise de pouvoir du cosmopolitisme sur la France, eh bien, il en a fait partie. Voilà. Et aujourd'hui, la France est dans cet état, notamment parce que lui n'a pas sacrifié, n'a pas offert son corps en un sacrifice sain, vivant et agréable à Dieu. Et quand on voit Henri de Lesquin, excusez-moi, mais enfin, il n'a pas le charisme qu'il faut. C'est un vrai identitaire, Guillaume Fay. Donc ça, c'est un vrai patriote, oui, ça, c'est un vrai résistant. On peut dire, là, voilà, là, il y a des couilles, oui, là, je les sens. Henri de Lesquin, je les sens pas. Donc vous avez la grande bourgeoisie catholique, Henri de Lesquin, collabo possible que De Gaulle, d'ailleurs, contre laquelle De Gaulle vituperait. C'est un loser, c'est un défaitiste, c'est un gars qui n'a rien... Il a son âge, il a 69 ans, bientôt 70, sa vie est derrière lui. Il a rien fait, il a collaboré activement avec l'oligarchie. Qu'est-ce que vous attendez d'un gars comme ça qui vous donne une stratégie gagnante? Il a appelé, j'ignorais ça, si j'avais su, je l'aurais massacré dans ma vidéo sur lui. Il a appelé à voter Marine Le Pen. Voilà. Une femme de gauche, cosmopolite, selon Henri de Lesquin. C'est n'importe quoi de Lesquin. Rien que sur cet extrait-là, on peut le passer en boucle au jeune lesquiniste, là, et ben t'es cuit, tu vois rien. Lesquin propose de débattre avec n'importe qui est un minimum de politesse, un minimum... Et ben voilà, moi j'ai écrit 40 livres, je suis poli, je ne t'ai pas insulté, j'ai juste dit que tu étais un collabo, un défaitiste. C'est pas une insulte. Alors maintenant, on va voir si Lesquin a quelque chose dans le slip, donc je lui lance à lui aussi le défi. Voilà, allons-y Henri, hein, Henri de Lesquin, voilà, avec ta particule là. On va voir si t'as quelque chose dans le slip. Viens débattre avec Jean Robin. Accepte ce débat et je vais te mettre à poil, hein, Henri de Lesquin. Parce que là, ça commence à suffire. Bon, là, je t'ai déjà mis à poil. Mais en face, je vais te poser 2-3 questions et puis je vais te montrer 2-3 choses qui montreront bien à tes suiveurs, là, que tu vaux rien. Voilà. Mais rien. C'est la défaite incarnée, Henri de Lesquin. Voilà. Depuis 50 ans. Et ben Henri de Lesquin, lui, il a accepté le débat, tu vois. Et ben moi, je débattrai avec Lesquin et je le remercie d'avoir accepté ma proposition. À mon avis, il va le regretter, mais bon, ça c'est mon avis. Lui, il pense que je vais regretter aussi d'avoir accepté le débat avec lui, parce qu'on ne sera pas là non plus pour se lancer des fleurs. Hein. On est d'accord sur certains points, mais sur certains points, on est en grave désaccord. Et c'est ce qui me fait l'appeler un collabo aujourd'hui. Donc imaginez si Jean Moulin avait débattu avec le maréchal Pétain, ce que ça aurait pu donner. Hein. Henri de Lesquin avait accepté un débat avec moi, que je lui avais proposé, et là, il vient de... reculer, de dire « Ah non, 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 en fait, non, je me suis trompé, non, je ne veux pas débattre avec ce gars-là, ah non, non, il va me mettre à poil. » Eh bien, Henri de Lesquin, « Ah non, ah non, non, moi, je débat pas avec un mec du Mossad, avec... je ne débat pas avec quelqu'un du Mossad, oh là là. » Alors, la vieillesse, c'est un naufrage. Alors, je vais le rebaptiser déjà Henri de Lâche, hein, parce que H2L, ok, mais Henri de Lâche, c'est un lâche. Alors Henri, j'imagine bien chez lui, Simone, tu crois que je devrais faire ce débat avec Jean Robin? Non Henri, Henri vraiment, c'est un agent du Mossad. Ah oui Simone, c'est ce que je me disais. Ah je m'en doutais. Ah merci Simone. Et voilà. Je suis sûr que sa femme, c'est elle qui dicte sa politique à ce gars-là. S'il a rien dans le slip.
Non, ces gars-là, on la trouille. Ils sont terrorisés que je les foute à poil. C'est pour ça qu'ils disent oui, puis après ils se renseignent, ils disent « Oh, Jean-Robin, c'est un guerrier de l'information, il va me foutre à poil. » On va leur faire un hospice à ces petits vieux, là, parce qu'ils ont tous plus de 60 ans. Hein. Et presque, je pense que Jacob Cohen et Henri de Lesquin, ils approchent le quart de siècle. Et donc, on va leur faire un petit hospice pour qu'ils puissent discuter entre eux. Alors, tu vois, c'est quoi ta prévision, là? C'est qui t'as vu comme Sayed Nima? Moi, je suis sûr que Jean-Robin, il est agent du Mossad. Ah, bah ouais, bah moi, je l'ai démasqué, ce gars-là, c'est fou. Il voulait débattre avec moi, mais je me suis pas fait avoir. Je suis pas tombé dans son piège. Attends, qu'est-ce que tu crois? Des baudruches. Ça a fait pchit, là, vous savez, comme disait Chirac. Henri Delage a fait pchit. Pchit. C'est bien ce que j'aurais révélé. C'est toutes les failles de Lesquin, là. Vous avez un joli tableau. C'est comme Napoléon, il s'est fait son propre mythe, là. Et puis moi, j'aurais révélé toutes les failles et ça se serait craquelé avant de s'effondrer. Bah, il s'est effondré, j'ai même pas eu besoin, vous voyez, je lui ai dit « Bouh !» Il tombe par terre. Henri de Lâche, je l'attends, mais comme il est lâche, bah, je peux l'attendre longtemps. Hein. Je lance plus de débat avec Lesquin, parce que là, il s'est ridiculisé. Si éventuellement il revient, je me ferai un plaisir de le foutre à poil. Et merci Henri de Lâche pour la franche rigolade. Tu vois, il m'a fallu deux vidéos pour te foutre à poil. Même pas eu besoin d'un débat. Parce que moi, vous voyez, Henri de Lesquin, c'est un ennemi pour moi. Et ces antisémites en général, et Henri de Lesquin en particulier. Nous, on doit faire le ménage des Henri de Lesquin et autres, Renaud Camus et compagnie, qui se font passer pour des grands résistants alors qu'ils ont collaboré toute leur vie, vous comprenez? Et on est dans la merde à cause de ces gens-là. Et donc, Savedochka a dit, bah voilà, moi j'ai plein de dossiers sur Henri de Lesquin. Alors, est-ce que je les balance ou est-ce que je les garde? Et pour l'instant, malheureusement, elle a fait le choix de les garder et de ne pas rendre les coups. Et moi, je lui ai mis dans un petit tweet que j'ai mis sous son Twitter, justement, où elle demandait un avis. Je lui ai dit, non, en politique, il faut rendre les coups. Vous ne vous ferez pas respecter si vous dites, ah non, moi j'ai des dossiers, mais je ne les balance pas. Et, Savedochka, si tu as des dossiers, là, tu dois les balancer, parce que c'est notre ennemi commun, hein, Henri de Lesquin. Donc, si tu ne les balances pas, il y a un problème. C'est pourquoi ? Il faut rendre les coups, sinon il va s'acharner sur toi et tu vas... Bon. Donc ça ne sert à rien. Tu gagneras par contre beaucoup plus tes galons en rendant les coups et en le foutant à poil. Voilà. Pourquoi avec Lesquin, tu ferais une politique d'exception? Alors non, vas-y, balance. Voilà. Et on sera tous là derrière toi. Enfin, en tout cas moi. Parce qu'il faut qu'on fasse comprendre à tous ces vieux-là qu'on va pas se laisser faire et que l'avenir de la France, c'est nous et pas eux. Et s'ils commencent à nous emmerder... Bah, ils vont le sentir. Et là, vous allez voir, je vais faire d'une pierre trois coups. Donc, Renaud Camus, je l'ai déjà dans le viseur. Et là, je vais mettre d'un coup d'un seul Boris Le Lay et Henri de Lesquin, qui sont deux de mes ennemis aussi. Henri de Lesquin, il est pété de fric, ce mec. Hein? Alors, d'où il tire tout son argent? Il n'a pas été haut fonctionnaire pendant 40 ans, par exemple. Là, il ne touche pas une retraite encore. Et bien, tout son argent, là. La moitié à Guillaume Fay, Henri de Lesquin. Et là, tu pourras te dire... Et puis tu reconnais que Guillaume Fay a toujours eu raison, et pas toi. Il y a des gens très intelligents, hein. Henri de Lesquin, il est très intelligent. Il a un QI très... Mais c'est un con. Ce sont des gens qui s'écoutent parler, voilà. Tous les antisémites. Pourquoi Lesquin me dit agent du Mossad? Parce que c'est un prétexte, parce que c'est un lâche. Il tiendrait pas deux secondes en débat face à moi. Non mais c'est qui ces papis, là? Franchement, vous êtes ridicules, les gars. Et nous, notre génération, on arrive. Et on va vous balayer. Henri de Lesquin se prend pour quelqu'un de très intelligent, donc il est très intelligent certainement en termes de QI, mais c'est un con. Alors, est-ce qu'Henri de Lesquin est ouvert d'esprit? Non. Donc il peut avoir un très haut QI et être un con. Parce que entre une Antastasia et un Henri de Lesquin, en fait, il n'y a pas une grande différence. Donc les vieux en général sont totalement décrédibilisés, et je pense l'avoir démontré. Ils refusent le débat, hein, Lesquin, Soral, Ayoub, tous ces gens-là sont décrédibilisés, sont des lâches. Ils n'osent même pas débattre avec un type comme moi. Alors, peut-être qu'ils font un complexe d'infériorité, ben voilà, comme Conversano, comme Lesquin, comme Camus, comme tous ces bras cassés, là. Et donc, faut pas me faire croire que Lesquin, Soral et Conversano, c'est différent. C'est la même chiasse. Voilà. Ah, Henri de Lesquin, touche ta retraite et va ton chemin. C'est Henri de Lesquin. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Henri de Lesquin? Tu veux commencer, Jean-Robin? Ah, ce cher Henri. Ben oui, donc Henri de Lesquin, n'est-ce pas, est un grand bourgeois de droite qui vote pour la femme de gauche qui s'appelle Marine Le Pen. Et ça, c'est ce qu'il a dit lui-même. Donc c'est un catho-marxiste.
Et donc Lesquin, oui, c'est un gauchiste qui a roulé d'ailleurs toute sa carrière pour l'oligarchie, à Bercy en plus, au cœur du réacteur. Donc pendant 40 ans, je crois, sa carrière, c'est à peu près ça, il a contribué à augmenter la taille et le poids de l'État. Donc, c'est formidable. Donc il vient aujourd'hui jouer au National Libéral. Franchement, c'est un guignol. Pourquoi Radio Athéna ne vous invite pas, à votre avis? Ben parce que c'est Lesquin et c'est un lâche. Donc il m'a traité d'agent du Mossad, parce qu'il n'a rien d'autre à dire face à moi. Et que moi, je connais toutes ces petites ficelles. Et que je lui dirais en face, monsieur de Lesquin, vous êtes de gauche. Voilà, Henri de Lesquin, maintenant, plus personne peut considérer qu'il est du côté patriotique. Quoi. C'est vraiment un vieux con, Henri de Lesquin, excusez-moi. Et d'autre part, ils soutiennent à bout de bras des gens comme Henri de Lesquin, Daniel Conversano ou d'autres, voilà, des néo-nazis revendiqués, ou Henri de Lesquin un peu moins, mais enfin, franchement, il ne faut pas être grand clair pour pouvoir voir dans son jeu. Mais il ne m'a pas répondu pour autant, Adrien. Il reste planqué dans son trou à rat chez Henri de Lesquin, le négationniste. Il préfère être chez un négationniste sur la radio Athéna d'un négationniste affiché. Hein, c'est-à-dire, oh oui, Forisson, super. Voilà ce qu'a dit Henri de Lesquin. Parce que moi, je suis stratège, donc je veux que mes ennemis s'entretuent. Tu vois. C'est ça mon but. C'est comme ça que j'avais fait aussi avec Renaud Camus et Henri de Lesquin. Et ça a failli déboucher sur un procès que Renaud Camus allait intenter. Je ne sais pas s'il l'a fait finalement pour accusation de pédophilie, etc. Donc ça m'a beaucoup amusé, tu vois, parce que voir les débiles s'entretuer, ça m'arrange. Je crois que Jean-Romain est un personnage assez particulier, plutôt sympathique.